Et moi, j'ai besoin de pratiquer pour comprendre ce que je fais en fait et ce que j'apprends. Je m'appelle Fanette Tux, j'ai 21 ans. Je fais un CAP première année de cuisine et donc je travaille à la 12 au restaurant à l'ADEME. J'ai fait un bac santé sociale. Après, j'ai fait une année de césure, donc une coupure dans mes études. Après, j'ai fait un BTS profession immobilière et finalement, j'ai décidé de vivre de ma passion, donc de prendre des études de cuisine. Mon père a toujours été passionné par la cuisine. Et du coup, depuis toute petite, je cuisine avec lui. En fait, c'est surtout lui qui m'a poussé à faire des études de cuisine et moi, je l'ai écouté et puis voilà où j'en suis. C'est aussi un peu une fierté pour lui et pour ma famille en général. C'est du demi-sel. Ok. Il y a des femmes qui cuisinent très très bien et qui réussissent dans cette profession. Donc c'est mixte, parce que il y a l'égalité homme-femme quoi. Même si on est plus d'hommes que de. Enfin, ils sont plus d'hommes que de femmes, mais. Après, je me considère moi-même comme un bonhomme, donc en tant qu'apprenti, on est au SMIC et après on est payé suivant les heures supplémentaires qu'on fait. Pour moi personnellement, c'est très important parce que je peux me payer ma voiture. Depuis toujours, je vis chez mes parents, mais j'aimerais bien prendre un peu mon envol. Et du coup, c'était aussi la recherche de salaire que je cherchais et puis pour combiner avec ma passion. Donc, j'ai préféré faire en alternance. Les études, du coup, elles font que commencer parce que j'aimerais encore aller jusqu'au master, donc encore 5 ans. Donc, je vais poursuivre mes efforts.